Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble un enchaînement que je vous propose de pratiquer le matin pour vous réveiller. Vous pouvez d'ailleurs le pratiquer dans votre lit si vous voulez. On va commencer allongé au sol et on va déposer sa tête, ses bras et ses jambes dans le sol et on va prendre quelques instants pour respirer ensemble. Ici, essayez de masser votre dos contre le sol. Donc, lorsque vous inspirez, pressez votre dos au sol. Et lorsque vous expirez, serrez le bas du ventre, puis le milieu des abdominaux, puis toute la cage thoracique. Et continuez à respirer. Inspirez. Et expirez. Et puis inspirez, continuez à presser votre dos au sol et étirez les bras. Éloignez les mains des épaules. Et expirez, relâchez les bras au sol. Et inspirez, étirez les jambes, flexez les pieds. Et expirez, relâchez les jambes au sol. Et puis inspirez, étirez les bras derrière vous, étirez les jambes. Et expirez, ramenez les bras le long du corps. Inspirez, sentez votre respiration qui remplit tout votre corps. Expirez, gardez cette sensation d'espace et relâchez votre corps dans le sol. Et une dernière fois, inspirez. Expirez, amenez les mains sur les yeux. Ouvrez les yeux dans les mains et laissez les mains retomber au sol. On va commencer par attraper notre jambe droite dans nos mains. Si c'est trop, vous pouvez replier la jambe gauche au sol. Et on va inspirer. On va laisser le genou s'ouvrir. Et on va expirer, on va amener le genou à la poitrine. Et inspirez, laissez le genou s'ouvrir. Expirez, le genou vient vers la poitrine. Et inspirez. Et peut-être que cette fois, on peut engager un peu plus le bas du ventre et amener le bout du nez vers le genou. Et puis inspirez, relâchez la jambe et la tête au sol. Et expirez, changez de côté. Toujours pareil, si c'est trop pour vous, pliez la jambe droite. On inspire, le genou gauche s'ouvre. Et on expire, on amène le genou sur la poitrine. Inspirez, laissez le genou s'ouvrir. Et expirez, laissez le genou venir vers la poitrine. Inspirez. Et expirez cette fois, si c'est possible, levez la tête et les épaules. Et puis inspirez cette fois, gardez le genou gauche dans la main. Expirez, amenez le genou droit sur la poitrine et ouvrez légèrement les genoux et amenez les deux genoux vers la poitrine. Et faites des cercles avec vos hanches. Un dernier cercle dans ce sens. Et puis changez de côté. Premier cercle. Inspirez, les jambes s'ouvrent. Expirez, amenez les genoux sur la poitrine. Et inspirez. Et expirez. Soit vous restez ici, soit vous flexez les pieds et vous attrapez les pieds par l'extérieur. Et ici, inspirez, laissez votre ventre se gonfler. Et expirez, laissez les épaules, laissez le bassin tomber au sol. Et encore, inspirez. Et expirez. Les épaules et le bassin sont lourds et tombent au sol. Et une dernière fois, inspirez. Et expirez. Et puis relâchez les jambes. Et venez de nouveau vous étirer, les mains viennent vers l'arrière. Cette fois, on peut pointer nos pieds. Inspirez. Et expirez, ramenez les genoux sur la poitrine. Si c'est possible pour votre dos, amenez vos pieds derrière la tête. Les mains supportent le bassin. Regardez votre nombril et essayez de garder le creux dans votre nuque.
Inspirez. Expirez, venez dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Vous pouvez plier les jambes ici. Et puis laissez les pieds se déposer au sol. Les mains sont derrière la tête. Et on inspire, on lève son bassin. Et on expire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Et puis on inspire, on étire une jambe et puis l'autre. Et on expire, on vient s'asseoir en enroulant le dos. Inspirez, étirez-vous. Et expirez, laissez-vous tomber vers l'avant. Donc ici, vous pouvez poser les mains au sol. Ou bien aller un petit peu plus loin, si c'est possible. Et sur chaque expiration, vous pouvez faire des micro-mouvements et vous étaler sur vos jambes. Et inspirez. Et expirez. Et inspirez, étirez les bras, remontez. Et expirez, pliez les jambes, déposez les mains au sol. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière et levez le bassin. Regardez votre nombril. Et expirez, reposez les fesses au sol. Inspirez, étirez les bras et les jambes. Et expirez, enroulez le bas du dos, puis le milieu du dos, et déposez-vous au sol. Inspirez, étirez-vous. Et si c'est possible, les pieds viennent derrière la tête, sinon ils restent sur la poitrine. Et cette fois, les mains peuvent être derrière la tête. Et inspirez, étirez vos jambes. Et expirez, déroulez-vous au sol. Laissez les pieds tomber au sol, les mains derrière la tête. Et inspirez, levez le bassin. Expirez, déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Et inspirez, étirez une jambe et puis l'autre. Expirez, remontez. Vous avez le droit de vous aider avec les mains si c'est trop intense. Inspirez, étirez-vous. Et expirez, penchez-vous vers l'avant. Peut-être qu'on peut aller un peu plus loin ou peut-être qu'aujourd'hui on est un peu raide, donc on peut plier les jambes et continuer à faire des micro-mouvements. Et inspirez, étirez. Et expirez, relâchez la force dans les épaules. Et inspirez, étirez-vous. Et expirez, relâchez. Et inspirez, étirez vos bras. Expirez, déposez les mains au sol. Soit vous pliez de nouveau les jambes, soit cette fois vous pouvez garder les jambes tendues. Et on va inspirer, on va lever notre bassin. Et expirez, posez nos fesses au sol. Et puis inspirez, étirez les bras. Et expirez, cette fois ouvrez les coudes. Et regardez vers le plafond. Et de nouveau, inspirez, les bras s'ouvrent et se lèvent. Et expirez, ouvrez les coudes. Et dernière fois, inspirez. Et expirez. Et puis ramenez vos pieds vers vous. On va venir dans un squat. Si le squat est désagréable avec les talons au sol, vous pouvez lever les talons et mettre un coussin ou un livre sous vos talons. Ici, on va bouger de droite à gauche pour mobiliser nos hanches. Et puis, on va ramener les pieds parallèles, garder les mains au sol et juste tendre un petit peu les genoux. Ici, on garde les mains au sol et on va inspirer, on va étirer le dos. On va expirer, on va garder les mains et les pieds au sol et on va arrondir le dos. Et inspirez, étirez votre dos, laissez-le se creuser. Et expirez, arrondissez. Et dernière fois, inspirez. Et cette fois, si c'est possible, tendez un peu plus les jambes. Ouvrez les pieds au-delà de la largeur du bassin et laissez le buste se balancer de droite à gauche. Et puis inspirez, étirez de nouveau le buste. Et expirez, serrez le nombril, déroulez le dos.
bien faire par les fèvres. Ramenez les pieds à la largeur du bassin. Roulez les épaules vers l'arrière. Fermez les yeux. Et prenez ici quelques respirations pour sentir votre ancrage dans le sol, pour sentir la force et la souplesse qu'on a créée. Et puis inspirez, amenez les mains sur la poitrine. Les paumes de main sont l'une contre l'autre. Puis sur la prochaine expiration, les mains viennent devant les yeux. Ouvrez les yeux dans les mains. Laissez vos mains tomber. Et bonne journée.